Bonsoir à tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Assassin's Creed Odyssey. Et on se trouve ici dans l'île dans Knossos avec mon petit chat Babak qui soit s'en va, soit vient nous dire bonjour. Ah, il se couche par terre. Viens dire coucou à tout le monde. Oh, le petit Babak. Pourquoi chercher un Minotaure quand on peut avoir lui? Non, Babak. Il est tout petit, Babak. Il est tout petit. Bonjour tout le monde. Vous savez, mon père, c'est le meilleur youtubeur du monde. Il regarde pas dans la caméra. Regarde la caméra, Babak. Bonjour. Tu veux t'en aller, c'est ça? Voilà. Bon. C'est drôle, il est resté là pendant 2 heures sur la Mac. Et dès que j'ai commencé à enregistrer, il a dit, je m'en vais. Peut-être je le saoule trop. C'est bien possible. Bon. Voilà, on se retrouve ici avec les missions dans Knossos. Voilà. I'm no thief, but if I was, I'd want something more valuable. Take that back! These ruins are an interesting place to set up camp. What brings you here? A long time ago, below this very spot, my father, the great adventurer Nikios, entered the labyrinth to steal the Minotaur's treasure. As I waited outside, I heard shouts and roars. Then his men came pouring out. His men, but not Pater. I need to save him. The Minotaur was just a man in a mask, and not much of a man at that. Those idiots in Pefka. They wouldn't know a real Minotaur if it ran them through with its horns. It's not like that here, Mistios. Where is he then? You said the labyrinth was beneath us. Yeah, there's a creepy trapdoor beneath the temple. Take me there, and I will slay the Minotaur and find your pater's. Find your pater. You'll do that? The Minotaur will die, and I will find your pater. Thank you, Mistios. No one ever believes me. Just calm down and take me to the labyrinth. What's your name? Arthos. Now follow me. The entrance is... It's down, okay. This way. This place is going to blow your mind, Mistios. There's a huge room, and there's a huge hole on the ground. With a huge door. Everybody keeps going on about how the Seos killed the Minotaur. Lies. I heard it. A roar like a rolling thunder. Yeah, that's it. The Minotaur is still alive and hungry. Great. I'm glad you came along. No Pater has a shot at getting out of that damn labyrinth. They really didn't have to put the entrance this deep. Almost there. What? Here we are. Isn't this amazing? I've seen some things, Arthos, but this is amazing! So the Minotaur lies beneath Knossos Palace. Open the door. I've got a Minotaur. Je sais pas, mais moi, avant l'ère classique de la Grèce, donc Périclès, enfin, ce qu'on est en train de voir, c'est que c'est très flou pour moi, enfin, voir c'est un vide spatial absolu. Et c'est drôle parce que j'étais en train de lire un tweet de quelqu'un qui avait dit, mon professeur d'archéologie m'avait dit une phrase sur le changement climatique, la guerre nucléaire et la fin du monde, que j'oublierai jamais. Si le monde ne s'est pas terminé en 1177 avant Jésus-Christ, il ne se finira jamais. Et en fait, j'avais lu, et c'était l'époque
dans laquelle la Méditerranée orientale s'est à peu près effondrée. En gros, l'Égypte, elle s'est pas relevée depuis. Enfin, elle a dû attendre l'arrivée des Grecs pour un peu se remettre en pied, mais c'est avec les fameux peuples de la mer. Et les peuples de la mer auraient été peut-être derrière la chute et la disparition totale de la civilisation mycéenne. Mycénienne, je sais pas comment dire en français. Qui était justement de cette époque-là. Knossos, tout ça, c'était cette époque-là. Et tous les mythes grecs viennent de cette époque-là. Donc c'est vraiment une époque archaïque pour les Grecs, l'époque mycéenne. Et ça m'a fait rire, le fait de voir les peuples de la mer, civilisation mycéenne, alors que je suis en plein dedans. Mais encore une fois, c'est une période que j'aimerais vraiment bien comprendre. Parce que je connais très bien la Grèce classique, mais j'aimerais bien savoir d'où ça vient, les Achéens, tout ça. Pour moi, c'est vraiment du mythe. Alors que non. Enfin, ça dépend. I don't, but the guys who went into the labyrinth with my pater will. I tried talking to them, but they won't speak to me. Et bah, je parle avec eux. Who are these people? The collector, swordfish. Ah, l'espadon. My old caretaker, boring old man, never wanted to talk to me about my pater or the minotaur, so I left him to find out the truth on my own. Huh, bold. And the collector is this guy who buys weird stuff. He's a merchant. Cortin. Oh, and the last guy. L'espadon. They call him Swordfish. Of course. He's the boss of Octopus Bay. And he's mean. Okay. Where should I start looking for Swordfish? Fisherman's Beachhead in Heraklion would be your best bet. Ouais, d'accord, mais ça je sais déjà. Swordfish? No. No, he's really good with a sword, and he's really good with a fish, I guess. Ah ouais, les dons, parce qu'en fait, espadon. D'accord, donc en fait, ils ont dû refaire le jeu de mots parce qu'il marchait pas. This collector, where is he? Ça fonctionnait pas en français. He lives in Gortin, near some red pillars, in a crazy house with lots of stuff. I've borrowed some trinkets from him. Mm-hmm. Don't let me catch you borrowing from me. From you, I would never get caught. Tell me more about this. Okay, so my old caretaker recently sent me a message about wanting to meet in Festos. That's nice of him. He never answered me about my pater or the minotaur. I'll go in your place. The message said okay. To meet him at our old house, north east. Okay, super. I'll make sure that. Ah. Da, 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 da. Bonjour. Voilà. Alors, je vais synchroniser cet endroit-là pour être près du palais de Knossos. Voilà. Palais de Knossos. Un truc Wikipédia?
Attends, du coup, parce que j'essaie de chercher sur le palais de Knossos. Ah non, c'était la civilisation minoenne. C'est une civilisation de l'âge de bronze. L'âge de bronze qui se termine justement avec l'effondrement, soi-disant, de la Méditerranée orientale avec les peuples de la mer. Parce que là, je vois des images du palais de Knossos de l'époque minoenne. Mais du coup. Histoire. Parce que c'est pour voir si j'ai tort ou pas. Oui, c'est ça, vers 1150. Non, c'est juste avant. Non, c'est juste après. Les grands centres mycéniens sont dévastés par des tribus du nord-ouest de la Grèce. Dorien, Locrien, Étolien, Phocidien. Blablabla. C'est ça. Les entreprises au-delà des mers des Achéens, Crétois, visaient sans doute d'autres régions. Des textes mentionnent des attaques de l'Égypte par les peuples de la mer, parmi les peuples cités. Nanana. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est vraiment dans le même contexte. Et en fait, cette période, elle est vraiment fascinante parce que les archéologues ne comprennent pas vraiment d'où viennent les peuples de la mer. Enfin, on sait à peu près certains peuples d'où ils viennent, mais on comprend pas. Et vraiment, la civilisation mycène. Enfin, est-ce que c'est mycène ou pas? Ouais, mycénienne. Mycénienne. A disparu d'un coup, brutalement. Et on comprends pas très bien pourquoi. Donc les théories disent que ça peut être un séisme ou ça peut être les peuples de la mer. On les appelle peuples de la mer parce qu'en fait l'Égypte a laissé une trace écrite de ces attaques. C'est justement les Égyptiens qui appellent ces peuples-là les peuples de la mer. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Mais bon, c'est très flou. J'aimerais me faire un jour une fiche ou un truc comme ça sur cette période-là parce que tout ce qui vient avant la Grèce classique. C'est hyper compliqué. Alors en plus, comme chaque bout de la mer Égée a une histoire différente, waouh, c'est compliqué quoi. C'est quand même très complexe. Mais bon, on va continuer avec nos quêtes. Voilà, donc là on a. Bon, j'ai toujours pas la mission. Là. Attends, c'est tout déjà. Là. J'ai toujours pas la mission. Envoyé par Brasidas. Fuir avec courage. Quête. Ah, c'est ça. Du sang dans l'eau. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. C'est là où je. Voilà, c'est ça. Putain. Parce que ça, par exemple, c'est 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais l'époque mycénienne, c'est vraiment 11e siècle avant Jésus-Christ. 11e, 12e. Donc c'est vraiment 7 siècles avant. C'est très longtemps avant. C'est beaucoup de temps avant. Voilà.
Greg's fishermen should know something about swordfish. I'm looking for swordfish. Can you help? He's off my luck. Okay. I hear you're looking for a certain fish. Yes. Swordfish. I hope you know what you're in for. He's ruthless. God. Where is he? No one's seen him, but there's a rumor. That's ridiculous. All I know. Mais ça, d'accord. If he's so dangerous. I'm old, tired, sick of bowing down to pay fees. If you can take him out, not another word out of you, Malaka. I have orders. Everyone. Pourquoi il est pas mort? Alors, ok, du coup. Bon, je sais où il est, hein. C'est juste. Ok. En vrai, enfin, vous le voyez pas, mais j'ai deux bibliothèques remplies de livres d'histoire que j'ai pas encore lu, mais j'ai envie vraiment à long terme de tous les lire. C'était là, non? Ouais, c'était là. This is it. Ok. C'est pas moi. Dog! Dog of Cosmos! Have you come to bite? I've come to tear your face off, Swordfish. You think I haven't been preparing for this day? I'm here for the... I won't go back! I won't go back in there! I don't care if I owe the cult. I want out! You want that artifact? Go fetch it! Once a cultist, always a cultist. What do you want from me then, Demos? Answers. And you will give them to me. What happened in there that drove you to this? The Minotaur happened! I was lucky! Nikios, though. The Cosmos promised me everything! Not this! C'est drôle, il ressent un peu de culpabilité. How did you end up here? I'm hiding amongst the filth. And from it, I can't show my face anymore. But Rachlion is still mine. All its fish and all its people! You're insane. How did you get into the labyrinth? Nikios had a key. He put it into the stele. But you can't go in there. He'll kill you. He'll get out and kill us all! You underestimate me. That's what Nikios said! You underestimate my power. I'll feed you to the sharks! Okay. Allez, poison pour toi. Bim, bam, boum. Voilà. Parfait.
Et voilà. Not so good with a sword after all. You can find Drachmi anywhere if you look hard enough. All it takes is a little persuasion. Okay. Tiens, il me reste 15 sages et j'aurai terminé quoi. Il me reste pas beaucoup de monde hein. Il me reste lui. Lui. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, pas beaucoup, hein. Broken man, haunted by the Minotaur to the very end. Ok. Donc, le Minotaur. Est-ce qu'on... Ouais, on va aller chercher le Minotaur. Du coup, collection de souvenirs. Parlez du labyrinthe au collectionneur. Et c'est où ça? Putain, heureusement que j'ai synchronisé, hein, parce que sinon, ça aurait été un peu long. J'avoue. Oh putain. Time to hunt by night. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit il a eu l'heure de chasser la nuit? Nope. Je pense que je vais aller plus rapidement en cheval. Très réaliste. Ouais, clairement plus rapide. Gortin. Coucou. You must be the Horde, the Collector. Dust Collector, maybe. I hear about the Minotaur. The... No. I can't. I don't know anything about the Minotaur. Ardos sent me. He says you know things. Ardos? The boy. Never talk to the boy. We all promised. I'm not here to break bones. I'm here for information. Give it to me? I'll answer your questions, but you won't ask the right one. Can I not play games? Fine. You're going to need Theseus's armor, which I sold to be part of a collection at the fort. There's nothing wrong with my armor. Nicias thought his armor was the finest in the Greek world. He could have worn Theseus's when we found it. But I was the perfect fit. Minotaur struck me right in the chest. Should have died. But Nicias... Don't make Nicias' mistake. Wear Theseus' armor. What do you know of the boy? Son of Nicias. His father's son. You remember him fondly enough, yet you refuse to speak to him. If I speak, he might not listen. The truth is armor against little. Ah, peut-être il veut pas lui parler pour ne pas le pousser à aller chercher son père. Non, putain, le joystick. I've learned enough. If Theseus is... There are more pieces of Theseus's armor. I've only... But someone stole. If you find it, you can have it. But give whoever took it a piece of my mind. And perhaps a piece of your blade. Ok. Était vendu au polémarque de l'héritage de Minos. Oh, mais ça... Putain. Sa collection se trouve au fort d'Edalos, au sud-ouest.
La précieuse, j'imagine que c'est ce qu'il y a là-bas. Parce que c'est le sud-ouest. La précieuse armure serait conservée dans une grotte du fort. Ok. Eh ben, il est temps de... de nettoyer un fort. Coup. Ouh là là là, il y a beaucoup de monde. Ouh là là là. Putain, mais il y a combien de choses ici? Nouveau dirigeant. They won't ask any questions. Best keep out of sight. Mais... pas ce que je voulais faire. Voilà. Réaliste. C'est pour les marques. D'accord, je sais pas ce que je voulais faire. Alors, je vais changer. Je vais mettre... je vais mettre celle-là... ici. Ouais. Parfait. 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 Nice. Nice. Est-ce que je peux te recruter? Non, je ne peux pas. Non. Non, putain. Oh non. Putain. T'es sérieux? Non, t'es pas sérieux. Oh là là. Oh putain. Je peux pas jeter de l'inventaire. Oh putain. C'est chiant.
Allez, bonjour. Voilà, voilà. Je dois vraiment faire ça, quoi. Voilà. Alors, du coup. C'est pas ça. Ah, ça, c'est quoi, du coup? Ah, c'est surtout ça. Ok. Maintenant, on peut y aller. Je suppose. Ah, il est toujours mort. Nice. Ça fait combien de temps de vidéo, là? 30 minutes. Ok, super. Best stay out of sight. Coucou. Ah, il n'a pas d'épée. Il n'a rien. Voilà. Voilà. Bim bam bim bam bim bam boum bam bim. What? Comment j'avais pour ne pas le tuer? Victory!
Voilà. Il y a combien de personnes ici? Voilà. Oh, j'ai adoré ça. Ça dégage. Comment elle est tombée? Tu viens ou pas? Non, tu viens pas. Oulala, y a plein de monde là. Allez, moi je monte. Allez, venez par ici. Voilà, comme ça je recharge. Parfait. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Nice. Oh putain. Putain, je vais mourir. Saute, putain! Coucou. Au revoir. Voilà. Et maintenant on peut. Parfait.
putain, je vais mourir. C'est pas évident. Parfait. Ouf. En fait, je veux nettoyer le fort avant de... Il peut monter ou pas? Non, il peut pas. Parfait. Coucou. Sauter, s'il te plaît. Vous montez ou pas? Bien sûr que vous montez. Ah ouais, dégage. Voilà, rendre visite. Super. Mais ça reste désormais vulnérable. Nice. Compris. Ok, mais il reste qui? Il reste le mec là-bas. Donc là, il y a un trésor qui est là. Et il y a 5 ravitaillements de guerre à brûler. Ok, super. Voilà, super. Ok, maintenant c'est bon. Parce que pour les marques, je l'ai déjà tué. Coucou. Nice. J'en ai un juste là. Ok. Maintenant, apparemment, je peux pas. Exactement où je voulais atterrir.
Ah, maintenant je peux. Voilà, c'est bon. Donc, il me manque là-bas. Coco. Voilà. Beaucoup de pognon par ici. Et normalement, il me reste un dernier. Voilà, celui-là. Voilà. Et c'est bon. 48 000. C'est pas mal, franchement. Ok, et maintenant on peut aller chercher l'armure de Thésée. Mais normalement, j'ai déjà des morceaux de l'armure de Thésée. Parce que j'ai les brassards de Thésée. Avec les points, pourquoi? Voilà. C'est pas par là. C'est là. Voilà. Ok. Casque Pylos, donc c'est pas ça. La mère de Thésée. Parfait. Ok. Du coup, si j'ai bien compris, j'ai trouvé tous les indices sur un membre du culte. Si j'ai bien compris. Voilà, sur lui. Menantos. And the cult will be my family. Dieu de la mer Égée. D'accord, mais je sais pas où il est du coup. Je sais pas où il est du coup. Ouais.
dans l'ouest. Ah, il est là. Ok, d'accord, super. Qu'est-ce que je voulais faire, moi? Ah oui, la quête. Du coup, boucle bouclée. Rencontrer le gardien d'Ardeuse dans les faubourgs de Festos. Et ça se trouve là. Ok. On y va. Désolé. More fight in you. I'm listening. These huntresses. So you'd like me? That's ex. I'll take. Okay. Here. J'en fais la mission et je tue le messager. Voilà, salut. Oh, c'est dommage. Let's go, Phobos. Allez. Attends, ce serait pas elle les quatre là? Parce qu'elle, elle est habillée d'une façon un peu... Elle se bat bien. Mais pas quand je fais ça. Ouais, salut. C'est détenir ça? Attique. Ok. Ella. This must be Ardos's house. Where's the boy? Ardos. You're his caretaker? Of course. I need to speak with him. Je suis Ardos, mais... Don't you recognize me? Remember all the times we shared? Ouais. Secrets? Don't take me for a fool. Mais qu'est-ce qui se passe si c'est avec Cassandra qu'on fait ça? Parce que c'est une fille. Who told you about the boy? Speak! It's nothing personal with the boy or the old man, but if I tell you anything, I am good as... Dead? Guess what will happen if you don't tell me? C'est drôle, tout le monde ici, s'il parle, il meurt. Bien. La mafia grecque, elle est bien développée à l'époque. Where is the old man? They're at Festos village, southwest of here. What is to happen? I don't know, Mystios. They just told me to bring him back. But we both know what they're capable of. And you'd bring them an innocent boy? You'd stand by as an old man gets beaten. But... And you agree to kidnap the boy? They're just up the road! The cult!
go kill them all. Ouais. You'll be doing me a favor too. Let me go, and I won't tell anyone what happened. I'll let Zeus decide your fate. I need to find the old man. Thank you, Mistyos. Qu'est-ce qui se passe si je fais I should check the temple in Festos. Ça. Ah. Bon, bah... Il est mort. Let's ride. Ah, allez, on y va. Off we go now. Ella. Ella. Yikes. There's the old man amongst those guards. Ok, trouver libéré le gardien d'Ardos. Voilà. Bon, non, je vais aller. Let's move. Let's go. The old man is here. Alors, est-ce que c'est y a pas un endroit pour synchroniser? Ouais, là. Quoi que ce que j'ai vraiment besoin de synchroniser. Je vais pas revenir ici. Enfin, je pense pas. Parce que ça c'est quoi? I should try to stay out of sight. Ça c'est rien. Donc, qui on peut trouver ici? Ok. Ok, donc tout le monde dort. Bâton orné. Arc à double courbure. Ok. Dors, dors, dors. Chut, tais-toi, putain. T'es con ou quoi? Can you walk? The boy. Thank the gods. Let's get out of here before they return. D'accord, l'aigle a rien fait. Super.
Ah, c'est bon. Je pille le trésor. Je prends la stèle. Voilà, c'est bon. Allez, on y va. Il s'est dit, je reviens sur mes pas. Coucou. Ah, c'est drôle. Il est concentré sur l'animal. Voilà, plus d'animal. Oh là là. Ah, désolé. Allez, on y va, on peut continuer. Tu viens ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oh là. Oh là, c'est pas très vegan ce que je fais, hein. Désolé. Voilà, c'est bon. Donc on peut continuer. Breathe, old man. Ardos, the boy. Is he safe? Alive? I won't let anyone hurt him. Though I do sometimes think about strangling him myself. Mais non, mais non. Ardos has been known to test even the most resolute of wills. I'm looking for a way into the labyrinth. Ardos said you might know something. I know this. That place is death. C'est... ouais. What drove everyone out of the labyrinth? Something must have happened. Il y a un putain de Minotaur. I'm not a fool. But Nikios wanted me to watch the boy. I stayed outside and prayed. But I heard it. The Minotaur. To return. Nikios. Ardos said his father is in the labyrinth. Is this true? Yes. He never came out. Though two who did will never truly escape it. Comme l'Espadon. Ardos says you refuse to speak or talk to him about his father. How can anyone tell a boy the person he looks up to, his father and only family, is dead? What I can do in Nukios' honor is to stop his son from entering. Why would they hurt you? When the survivors fled the Minotaur, they left behind a disc. The key to the labyrinth. And I kept it. Then why do they think Ardos has it? Because he does. He stole it from me. And I told them about it. D'accord. They tortured me, Mistios. I failed him. I failed him all these years. The people who tortured you belong to a powerful cult. And they have broken stronger men than you. You can still make things right with Ardos. As smart as he is, he still... he needs you. He doesn't even want to see me, Mistios. Keep trying.
about the disc. He doesn't know his true purpose, Mistyos. With it, you'll be able to open the labyrinth. Just promise to keep him safe. He'll be safe with me. I should ask Arthos if the old man is telling. Ok, d'accord. Bah du coup maintenant je dois retourner. Mais du coup, est-ce que je peux porter l'armure de Thésée? Plastron de Thésée, brassard de Thésée. Chambière de Thésée. J'ai pas le casque de Thésée. D'accord. Ok, du coup c'est là-bas. Comprenant qu'elle possédait les informations permettant à Ardos de continuer à chercher son père, Alexios décida de retourner le voir. Elle, comment ça, elle possédait? Je sais pas Cassandra, hein, c'est... Je suis un mec. Enfin, je suppose. Ok, on y va. Ouf. Coucou Ardos. Whatever it was, I didn't steal it. The old caretaker said you... Whoa, he told you stuff? Did he tell you anything about my pater? No, he didn't, but... What about the collector? He said you're like your pater. Really? That's nice to know. Look, the old caretaker said you... Wait. What did he say? You found him, right? He said the key goes in the stele. Oh, I know where the stele is. Au centre de la salle. What's this key you're talking about? The old man said you stole something from him. No, I didn't. Wait, what did he accuse me of stealing? The key to the labyrinth? A disc? Oh. You mean this old thing? What? I always wondered what it was for. Swordfish mentioned there was a place to put the disc. Oh, so what? If we put the disc into the stele, then I see about a minotaur. Okay. And you'll save my pater too, right? Bien sûr. I promised I'd save your pater, didn't I? You're the best, Mistyos. Your pater and I will be back before you know it. Let's head to the entrance and try out the disc. Okay. Looks like a piece of Theseus's armor. Voilà, gantelet de Thésée. Donc je mets les gantelets de Thésée. J'ai les brassards de Thésée. J'ai les gantelets de Thésée.
Alors, est-ce que j'ai besoin de le mettre ou pas? Il attend. Ça fait peur quand même. C'est intimidant. Il attend. Le Minotaure, je suppose. This can't be Minoan. What is this? Malaka. It's real. Ça va vraiment être un labyrinthe? Seos used to navigate the labyrinth. Let's see what's at the end. Putain, j'ai le cœur qui bat vite. Wow, des drachmes ici. A creature of rage did this. Oh non. Ardos might want this. Bon, c'est pas étonnant, mais... Enfin, moi, ce qui me fait rire, c'est comment il reconnaît Nikios. Ah ouais, celui c'est Nikios, sans doute. Je pense que c'est par là. Aïe 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 aïe. Tout ce qui n'est pas taisé, je vais mettre le maximum. Donc, aptitude. Je vais mettre... Ok, ça l'arrête. Parfait.
Oh putain. Oh non putain, oh putain. Aïe. Oula, il va s'énerver. Il va s'énerver. Parfait. D'accord, j'ai raté. Oula. Parfait. C'est trois attaques en fait. Parfait. C'est bon. Ah, c'était un homme. Attends, parce que ce qu'on a vu, c'était l'homme qui était transformé par l'artefact pour devenir un Minotaure, ou c'était juste du pur hasard qu'un cadavre soit là? J'arrive seul. Le Minotaure est mort. Thanks for your help, Ardos. Where's Pater? I searched the labyrinth and... Il doit savoir. Sorry, Ardos. Sorry? Why? Listen. You said you'd bring him back. You lied. Go back in there and find him. Ardos. You promised. He's dead, Ardos. Can't raise the dead. But we can move on. I'm afraid I'll forget him. I don't want to forget him. Take it. To remember him by. Butter ring? Thank you. Thank you. We should get out of here.
What will you do now? I don't know, mis Dios. Without Pater, I don't know. Maybe you can figure it out together. Ardos. Remember, you're never alone. There will always be people who care. Stay out of trouble, boy. You know I can promise you that. I'll make sure of it, mis Dios. Thank you. Let's go home, Ardos. I'd like that. I'm sorry I stole that. I understand. And your amulet. What amulet? And your ring collection. So that's where? And your memoirs. I haven't finished those. By the gods, you can't be stealing things all the time, Ardos. I mean, I'm good at that. They only steal from people who deserve it. I didn't deserve it. You didn't deserve it for years. Yeah. Allez, bim, pam, boum, pam. Je veux vaincre le Minotaure, viens pas me faire chier, s'il te plaît. Un coup de poing, sérieux. Mon aigle. Allez. Oh putain. Oh putain. Putain. Il a failli m'avoir. Hein. What? Putain mais... C'est difficile d'esquiver une lance. C'est très difficile. Parce qu'en plus ils font des mouvements comme ça. Putain, j'ai battu Minotaure et j'arrive pas à battre une femme mercenaire. Enfin, femme, homme, peu importe. By the gods, you can't be stealing things all the time, Ardos. But I'm good at it, and they only steal from people who deserve it. I didn't. Attends, je vais essayer d'écouter le plus possible ce qu'ils disent. Et je pense que dans le prochain épisode, on va aller là. You didn't talk to me for years. Well, you're right. I wasn't there for you. Perhaps I did deserve it. I know, right? Not to mention all the gold. What? Ardos? you didn't steal anything from the Mistios, did you? We'll never know. Attention. I'm watching. Allez, maintenant qui va t'aider? Can't you still stand?
Voilà, c'est bon. Allez. Voilà. Bah là, on peut s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc on a effectivement complété toutes les missions du Minotaur. On a vaincu le Minotaur. Donc je pense, si je me trompe pas, pour l'Atlantide. Alors attends, c'est où? Voilà, rapporter les artefacts à l'Atlantide, 1 sur 4, parce que du coup j'ai tué le Minotaur. Donc il me reste aussi 6 terres et Lesbos. Donc 6 terres. C'était où 6 terres déjà? Bon, je sais plus. Ok, bon. En tout cas, ça a été un épisode assez intéressant, je trouve, avec toute l'histoire avec le Minotaur. Et voilà, donc on se voit la semaine prochaine pour tuer le... l'adepte du cosmos qui se trouve à l'ouest de l'île de la Crète. De la Crète, je sais pas. Et voilà. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Allez.